Visite officielle à Paris du chef de l'État guinéen. La première en France depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Conté en 1984. Est important pour cette visite de 4 jours déjeuner à l'Élysée avec le président François Mitterrand. Qu'est-ce qu'on fait là? Au centre des discussions, la coopération bilatérale, bien sûr. La France, premier partenaire économique de la Guinée. Les exportations vers Paris évaluées à près de 10 milliards de francs CFA contre 40 milliards en ce qui concerne les importations. Les Guinéens voudraient voir évoluer autrement. Quand nous rencontrons maintenant les pays développés, nous parlons toujours de problèmes économiques. Le problème économique concerne pas seulement la Guinée, mais de tous les pays en voie de développement. En ce qui concerne la loi fondamentale, monsieur le président, est-ce qu'on pourrait voir... La loi fondamentale est guinéenne, elle est faite par les Guinéens, elle sera établie et un résultat positif, je suis certain, sortira de cette loi fondamentale. Les votes pour quand? Quand la rédaction sera terminée, la loi fondamentale sera mise à la disposition du peuple de Guinée pour l'approuver avant de... Pendant ce séjour à Paris, le chef de l'État guinéen qui est accompagné de son épouse doit rencontrer les milieux financiers et économiques français. Avec une dette extérieure évaluée près de 2 milliards de dollars, le gouvernement guinéen négocie le réaménagement de la dette. Parmi les grands bailleurs, la France. La Sonacot quitte Paris samedi prochain pour Conakry.